a fait beaucoup de vidéos sur la Systema, et même si les vidéos elles étaient pour mixte, pour faire travailler les deux, comme je suis pas en tenue sur les vidéos, on me dit qu'on les regarde pas, donc du coup je me mets en tenue pour les exercices type Aikido. Voilà. Ce que je vais proposer ici, c'est de travailler, comme à chaque début de cours, la respiration, hein, pour unir le haut et le bas du corps, et avec cette respiration, faire quelques sous-bruits. Okay. Donc ici, hop, on a notre bokeh. On a toujours ce travail, je creuse le ventre, j'inspire, je remplis et petite compression, et je relâche, creuse, inspire, remplis, coupe, etc. Okay. Donc quand on a coupé droit ici, ce que je vais vous proposer, c'est de faire du travail à une main ici, ici. La main doit vraiment monter à l'axe du corps. Pas un exercice de musculation du tout, hein, c'est vraiment un travail respiratoire. Et puis l'autre côté. Et puis on change de main. Le nombre de sous-bruits sont courts parce que sur une vidéo ce serait trop long, mais je vous encourage à en faire à chaque fois, atteindre votre seuil de fatigue. Voilà, ok. Après, demain, ici, eh bien, on va lâcher la main gauche, armer, couper. Toujours avec la respiration. Ensuite, on laisse partir la tsuka à gauche. Ça va se placer tout seul dans la main. Donc, on fait pareil à droite. Encore une fois, toujours l'idée des épaules ici à leur place. C'est un sous-bruit. Pas question de couper comme ceci. Et après, on alterne les deux côtés. Gauche, droite. Gauche, droite. L'important, c'est vraiment que ce soit couplé avec la respiration. Voilà. Donc, petits exercices hein, pour ne pas perdre... le travail de la coupe, le travail de la respiration et pour être prêt pour la rentrée. Allez, à bientôt!